Napsalio, et son plaisir pour nous la aujourd'hui dans le cadre d'un numéro spécial, l'interview de Jameson Bernabe. Pour qu'on est nous toujours contents pour nous présenter une personnalité, pour qu'on ait exactement qui ça lie à régler dans quel que soit secteur là. Je dis à nous dans le secteur musical là, dans le quartier latin, et nous avons une chance de l'idée sur Felicia Ross dans le cadre d'une activité Vervel Fashion à organiser. Si vous ne faites pas un album, mais quoi, vous mettez le dehors. Si vous ne faites pas un pile monde qui fait ça dans le business, vous cherchez un monde qui parle du sud. Yo enregistré avec nous. Yeah. Et yo prend problème. Et pour pas qu'à discuter, ah, c'est moi-même vrai. Parce qu'on est ici, dans les États-Unis, c'est copyright. Toujours dans le cadre d'activité Felicia Ross fait dans le quartier latin, dans une rencontre côté que l'été invité le grand public pour l'été capable de parler son paquet de sujets. Nous sommes très contents pour nous être là. Nous allons gagner l'idée sur l'activité ça. Titi Congo, je suis habitué dans le cadre de performance sous scène comme artiste, mais là on dirait que vous l'autre chapeau, parle avec nous ou exactement sur la plateforme Matin Débat officiel, Haïti Trésor et petit rendez-vous. Bon, je m'a salue tout le monde Matin Débat. Bon. Pour la suivre ça, donc non, c'est Titi Congo, Jean que et mais soit sur deal. Donc, et activité ça, li possible grâce à Vervel Fashion. C'est Vervel Fashion qui sont et un designer américain, donc qui voulait offrir jeunes talents haïtiens. Activité ça, donc Jean Noukawel dans Badja, c'est Vervel Fashion qui offrit activité ça dans quartier latin qui c'est Felicia Ross Rockshop. Je suis très content pour moi avec un autre artiste encore, son voix féminine, qui lit même tout, lit son autre chapeau. Nous sommes très contents de vous là et dites-nous exactement sous qui chapeau ou dans l'activité si là. Moi salue tout le monde. Moi c'est Magdalene Mitil. Moi c'est un représentant Vervel, même avec Titi Congo. Vervel qui sponsorise l'activité ça en collaboration avec Felicia Ross. Moi habitué ouais sous scène et c'est vraiment avec un plaisir pour ma parler avec vous. Nous une activité comme jeune artiste. Et eux-mêmes, ils ont participé ou bien ils ont permis au public de gagner plus de connaissances. Mais dis-nous, non, comment rencontre-nous avec Felicia Fett? Les fêtes, c'est par rapport, je me disais tout à l'heure, c'est avec un designer qui c'est Albert Simerville, qui c'est la propriété et Vervel Fashion. Donc, c'est lui-même qui est manager nous, on dit sponsor nous. Donc, dans parlant ensemble avec nous, c'est juste possible que nous manquions et je informer sur les réseaux sociaux, sur façon pour nous vendre tête en tant que journaliste. Bon, ça a même dit, bon, moi, parce que je m'apprends en pile de Felicia aujourd'hui, en pile de gens qui ont commencé et gens qui ont connu. Donc, c'est dans le contexte. Qui soit pensé un jeune qui vient là aujourd'hui, capable de tirer comme profit? Je pense que si vous êtes attentif à tout ce que vous avez dit, il y a besoin d'un pile de bagaille pour évoluer. Parce que Felicia a tout lui-même. Et je pense que li bay assez pour yon moun capable progresser, yon artiste capable progresser. Toujours dans le calendrier de Jameson Bernabe, nous allons faire un petit bagage fanny. Ou bien bon petit modulation avec Matin Débat. OK? Ou Matin Débat bagage, nous allons voir comment Titi Congo va passer. Matin Débat. Ah oui. Ou bien on va bon petit bagage avec Haïti Trésor. Haïti Trésor. Merci Anvil, merci Titi Kogo, merci Magdalene. Nous sommes très contents de présenter yon l'idée sur comme activité. Restez connectés avec nous. Pas oublier, petit rendez-vous, Haïti Trésor, Matin Débat, c'est une plateforme qui permet ou bien regarder l'interview. Non, Pam, c'est Jameson Bernabe. Yon dernier mot? Vervel et puis boucan d'ifi. Restez focus sur objectif ou et puis poursuivrez vous. Vous ne pouvez pas utiliser ça pour faire l'argent. Soit si vous avez tout le monde, je ne vais pas demander ça. Justement, ça y est, mon tapton, là, je t'ai annoncé, ça c'est parti, Felicia Ross, qui saute font quantité d'événements là. Même pas parler droit parce que je parle en pile déjà. Felicia, comment est? Non, c'est Jameson Bernabe, c'est pour une fois que nous avons croisé ou là dans le cadre d'une émission spéciale qui est l'interview de Jameson Bernabe. Dis-nous comment est? C'est moi-même qui t'ai parlé en pile, moi, quoi. C'est troisième fois que je parle avec Mounio. Moi, vraiment cool, moi, fait arriver là, je dis à Haïti. Elle nous fait un bel programme jeudi à gratuit pour jeunes artistes pour discuter business from début de finale de produit. Hein. C'était vraiment intéressant. Il a eu une pile belle idée, une pile belle question. So, moi content nous venir là ensemble pour faire ça pour jeunes artistes. L'idée causerie pour te
permet jeune nous comprendre en pile réseaux sociaux puisque nous connons en Haïti. Malheureusement, nous pas les mêmes dimensions avec un monde qui a vécu aux États-Unis pour nous connaître, un artiste qui est fait un compte YouTube par exemple capable de faire pile l'argent. Côté l'idée ça sorti et pour qu'ils soient décidés de faire un événement comme ça gratis. Parce que en pile monde demande, well, en pile monde dit la m'a pris compte monde dans business, yo dit waouh, j'en va faire musique ou j'en va faire business ou j'en gérer public ou j'en gérer mono qui en bagarre qui là que nous pas comprendre. Faut discuter ça plus. Et moi toujours dit ah, ah pas gain temps, c'est not but grâce à Dieu Vevel t'es poussé, Vevel là qui sont en fashion brand, yo toujours dit waouh, faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça. En pile promoteur, en pile monde moi compte dans business. Waouh, faut moi dit OK, si m'a fait ça faut me commencer ça dans Haïti parce que c'est là pour me commencer à peuple moi avec monde moi qui supporte moi pour juste parler de ça qui a passé vrai dans music business parce que ça son business que moun pas vraiment comprend qui j'ai en faire ça en carrière. Gen un hobby, gen ça faire juste pour amuser tatou et gen en carrière. And c'est vraiment différent et moi dit si me gen un petit temps, moi t'ai vienne là jeudi à m'a chanter demain soir dans la réserve. Moi dit si me gen un petit temps, forme du vinn devant moun pour parler, pour discuter ça yo vle apprendre, ça yo vle discuter et moi quoi il était vraiment bien passé. Comment vivre expérience ça puisque vous êtes avec un paquet de jeunes, vous parlez avec eux, vous comprenez nous et vous êtes très ému le fait que vous faites des passions. Ou même personnellement comment vivre expérience ça. Pour moi c'était bon parce que c'est en vraie mission moi gagner pour faire musique business là puis bon après me finir là-dedans. Parce que nous toutes, là me dit nous toutes, m'a parlé de artistes, nous toutes passé misère là nous dans business ça. Ou pas qu'à pas joindre ça. But ça c'est business and fuck nous pas peur and fuck nous inspirer, fuck nous content même si c'est difficile pour nous et à soir moins quoi moins faire moun comprendre que même si yo pas d'ab comprendre ça même moi passer misère dans vie ça but moi arriver dans côté que m'ka buy love moins ka recevoir love and c'est yo pas pour compte yo. Et moi t'es content pour ça parce que dans musique dans art c'est juste un petit pouce moun voulait pour arriver sometimes so moi j'espère que moun joigne ça à soir. De moi personnellement m'étais très satisfait. Un dernier mot pour nous finir. Merci tout le monde, merci Haïti, merci toute fanatique de Felicia Ross qui supporte mais tout ça me fait m'pa connais ça m'a fait m'a juste lagué musique m'a juste lagué vibe moi m'a juste mettez crème moins dehors, mettez musique dehors, mettez vibes dehors pour moun juste enjoy avec et moi content que joindre moun qui apprécie ça, moi apprécie et à continuer comme ça. Merci, un plaisir, rendez-vous demain 25 mai la réserve avec bien sûr Félicien et d'autres artistes. C'est un plaisir pour nous être là jeudi pour nous permettre de comprendre un paquet de bagages soit ici là. N'ap saluer Titi Congo, Magdalene, tout staff Boukandi Feya qui a boulé moun. Boukandi Feya pour bagage sérieux. Rendez-vous c'est pour l'autre fois, pas oublier. Interview ça disponible sur plateforme Matin Débat officiel, petit rendez-vous Haïti Trésor. Non, Jameson Bernabé, rendez-vous c'est pour l'autre fois. Bye bye tout le monde.